L'hôtel d'Acesa à Toulouse, avant leur passage, l'hôtel d'Acesa, après. Les Beaux-Arts attaqués par le temps, la pollution. Les Beaux-Arts qui retrouvent de leur superbe. Un château dans le Lot, érodé et noirci. Le même château, fier et prêt à résister à tous les sièges. Ce n'est pas de la magie, c'est l'œuvre des tailleurs de pierre de l'entreprise Rodriguez Bizol, ici à Fontanès dans le Lot, une entreprise de référence dans la région. Des hommes qui perpétuent des gestes séculaires et qui déclinent aussi leur beau métier au féminin. Donc voilà, là je suis en train de brocher la face sciée qu'on a quand les pierres arrivent et pour faire un aspect vieilli, pour que ça s'intègre parfaitement au monument. Et les pierres taillées ce jour-là viennent s'insérer ici, sur la façade du collège Gambetta à Cahors, un édifice classé du XVIIe siècle. Tailleur de pierre MH, entendez monument historique, un métier qui requiert des qualités certaines. L'amour du bâtiment, l'amour de la pierre, le travail bien fait aussi, hein, faut aimer le travail bien fait. Il faut avoir l'œil, surtout, souvent il faut avoir le coup d'œil de ce que vous faites et voir les choses un peu dans l'espace. Quand vous avez une pierre à commencer, il faut l'avoir finie pratiquement. Hein. Ce n'est pas du pavillon qu'on fait, ce n'est pas répétitif, vous voyez. Hein. C'est toujours se remettre en question et toujours réfléchir à comment on peut faire. Côté formation, un CAP métier de la pierre en 2 ans, puis possibilité de passer le brevet professionnel en 2 années supplémentaires. Conseil de ceux qui sont déjà dans le métier, ne pas hésiter en début de carrière à bouger, à changer d'entreprise. Pour revoir beaucoup de techniques différentes et des endroits différents, des bâtiments différents, des façons de taille différentes. Et l'expérience vient comme ça et à un moment donné, on trouve l'endroit qui nous plaît, la taille qui nous plaît et c'est comme ça qu'on se sent bien, quoi. Parlons salaire. Pour un tailleur de pierre débutant, environ 1200 euros net et 2200 euros pour un professionnel confirmé. Au-delà de la rémunération, redonner vie à des chefs-d'œuvre en péril reste une grande satisfaction. C'est, je pense, comme tous les travaux manuels, quoi, c'est de voir sa pièce finie. Et là, dans les monuments intégrés dans leur milieu, c'est le summum, quoi. On est quand même fiers de ce qu'on fait. Et puis, on a la chance de faire un métier où les choses qu'on fait restent. Donc, dans des générations, nos morceaux, ils seront encore et c'est satisfaisant. L'hôtel d'Acesa à Toulouse, avant leur passage, l'hôtel d'Acesa, après. Les Beaux-Arts attaqués par le temps, la pollution. Les Beaux-Arts qui retrouvent de leur superbe. Un château dans le Lot, érodé et noirci. Le même château, fier et prêt à résister à tous les sièges. Ce n'est pas de la magie, c'est l'œuvre des tailleurs de pierre de l'entreprise Rodriguez Bizol, ici à Fontanès dans le Lot, une entreprise de référence dans la région. Des hommes qui perpétuent des gestes séculaires et qui déclinent aussi leur beau métier au féminin. Donc voilà, là je suis en train de brocher la face sciée qu'on a quand les pierres arrivent et pour faire un aspect vieilli, pour que ça s'intègre parfaitement au monument. Et les pierres taillées ce jour-là viennent s'insérer ici, sur la façade du collège Gambetta à Cahors, un édifice classé du XVIIe siècle. Tailleur de pierre MH, entendez monument historique, un métier qui requiert des qualités certaines. L'amour du bâtiment, l'amour de la pierre, le travail bien fait aussi, hein, faut aimer le travail bien fait. Il faut avoir l'œil surtout, souvent il faut avoir le coup d'œil de ce que vous faites et voir les choses un peu dans l'espace. Quand vous avez une pierre à commencer, il faut l'avoir finie pratiquement. Hein. Ce n'est pas du pavillon qu'on fait, ce n'est pas répétitif, vous voyez. Hein. C'est toujours se remettre en question et toujours réfléchir à comment on peut faire. Côté formation, un CAP métier de la pierre en 2 ans, puis possibilité de passer le brevet professionnel en 2 années supplémentaires. Conseil de ceux qui sont déjà dans le métier, ne pas hésiter en début de carrière à bouger, à changer d'entreprise. Pour revoir beaucoup de techniques différentes et des endroits différents, des bâtiments différents, des façons de taille différentes. Et l'expérience vient comme ça et à un moment donné, on trouve l'endroit qui nous plaît, la taille qui nous plaît
Et c'est comme ça qu'on se sent bien, quoi. Parlons salaire. Pour un tailleur de pierre débutant, environ 1200 euros net et 2200 euros pour un professionnel confirmé. Au-delà de la rémunération, redonner vie à des chefs-d'œuvre en péril reste une grande satisfaction. C'est, je pense, comme tous les travaux manuels, quoi, c'est de voir sa pièce finie. Et là, dans les monuments intégrés dans leur milieu, c'est le summum, quoi. On est quand même fiers de ce qu'on fait. Et puis, on a la chance de faire un métier où les choses qu'on fait restent. Donc, dans des générations, nos morceaux, ils seront encore et c'est satisfaisant.